Salut à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans un parcours Ito, et bien en véhicule de popo, en véhicule de police, ah. Et on est parti, let's go. Alors aujourd'hui je suis solo, j'espère que vous avez la vidéo de La Salle sur son nouveau PC qui est magnifique. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, parce que c'est vrai que son PC, il est incroyable, voilà, il est incroyable. J'étais là, je l'ai vu et il est beau. Mais en tout cas, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un petit parcours en police car. Alors, on est mercredi, donc ce soir il y aura un live à 21h. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le live. C'est vrai que vous êtes pas mal nombreux. Donc, en ce moment, nous rejoindre, c'est bien, on est pas mal et tout. Donc, si jamais vous avez envie de jouer avec nous, eh bien, je rappelle que vous avez le lien pour jouer avec nous dans la description. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour jouer avec nous. Et voilà, donc comme je vous ai dit, en ce moment on est en live, donc ce qu'on fait dans les lives les gars, c'est vrai que c'est pas mal. Déjà le parcours il est pas... Ok, parce que le véhicule de police il rebondit beaucoup. Donc je disais, on fait des parties perso Fortnite avec La Salle et tout, Fall Guys, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, donc c'est-à-dire qu'on joue à 60, donc d'ailleurs hier on était vraiment blindés, je crois qu'il y avait même plus de place pour les gens tellement on était... En tout cas, si jamais vous avez envie de jouer avec nous, rendez-vous à 21h ce soir. Donc, on fera du GTA pour commencer, on fera des face-to-face et tout. Et ensuite, on se dirigera vers un Fall Guys en partie perso avec vous. Donc, n'hésitez pas, on se donne rendez-vous ce soir à 21h. What the fuck? Ok. C'est vrai que les parcours, quand même. Bon, déjà, ce que je remarque, c'est que ce véhicule. Ok. Alors, il n'est pas ouf en termes de stabilité parce qu'il rebondit assez beaucoup. Et je déteste ça, les véhicules qui rebondissent comme ça. Il faut pas perdre la main, vous voyez. Je pense qu'il faut y aller directement avec le truc. Et je pense que quand je vais respawn, je vais bien être synchro. Voilà. Oh punaise de feu, je suis tombé. Vous voyez en fait comment le véhicule il est. Ok, on va attendre tranquille qu'il descende. En fait, faut juste bien maîtriser les trucs, ne pas stresser. Voilà. Ok, c'est bon. Par contre, après, faut pas faire n'importe ici. Voilà. Oh, je suis passé d'un coup, les gars. Oh, j'ai pris des risques. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi? Je pense que le véhicule il passe. Il y avait un trou, mais. Oh, par contre, le véhicule il a du mal. Il y avait un trou, mais c'était pas. Tu vois, c'est le trou, il était pas énorme. Il y avait une possibilité de passer. Ok. En vrai, pour l'instant, ça va. Il n'y a rien de hard. Ok. Faut juste que je bombarde ici. Bon, là, ça va, c'est pas en pente comme tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'en pente, mon véhicule, il arrêtait pas de tomber. Et ça, c'est dommage. Ok. Ça va, ça va. En vrai, là, pour l'instant, oula. J'espère qu'il prend bien les trucs comme ça. Je peux me permettre d'aller à fond. Ça va, ça va. Il gère bien. Parce que des fois, il y a des véhicules, les gars. Je peux même faire genre comme ça. Ah non. Tu vois, j'ai voulu faire un peu trop le Mac. Mais faut pas faire le Mac. Mais en vrai, je peux aller à fond. Ah, mais faut aller à droite là. Oh, y'a rien. Regardez, oui. On peut. Ah, attends, mais y'a un truc qui bloque, je crois, les gars. Y'a un truc qui bloque ou je rêve? Bon, je sais pas, je vais passer normal parce que je fais n'importe quoi là. Il y a un truc qui bloque, j'ai l'impression. Ou alors c'est mon véhicule qui bloque simplement. Bon, voilà, j'aurais pu passer comme ça dès le début, mais juste j'ai envie de prendre des risques. Oula, j'ai failli passer là. Je me suis dit, vas-y, t'es quoi, je passe. Mais vaut mieux attendre. Voilà. Alors, ce que vous faites aussi, les gars, quand vous avez ce genre de truc, voilà, faites pas comme ça. Attends, je vais vous montrer. Quand vous avez ce genre de truc, ah bah d'ailleurs on recommence d'ici. Ok. Alors, donc je disais les gars, quand vous avez ce genre de truc, vous attendez qu'il parte. Donc là il va partir, hop, c'est bon, moi je connais la synchronisation. Et en fait vous partez en même temps que lui. Du coup en fait vous avez People. Là par exemple il est en train de partir, hop, tu vois, vous pouvez attendre. Là vous attendez qu'il vienne. Et là vous pouvez genre repartir. Bon, ce qui est dommage c'est que l'autre il est synchro pareil que lui. Donc on peut pas le faire. Ok, je vais l'attendre. Et là, tu vois, hop, je peux repartir tranquille. Et vous inquiétez pas que le truc il va suivre avec vous.
Alors que si vous faites comme j'ai fait au début, bah c'est bizarre quoi. Bon, allez. Là, on se donne un défi, on n'a plus le droit de tomber dans ce parcours. Ok. On se fait un 100% perfect. Déjà le poids il est en haut. Wow, mais faut monter tout le bâtiment là. On est où d'ailleurs là? Ok. Ah oui, c'est de plus en plus fin les gars, j'ai l'impression. Ok, c'est bon, j'ai eu un point. Ah, par contre, j'ai l'impression que le point est en bas. Wow, non, en haut. Ok. Donc là, est-ce que vous pouvez aussi faire un truc? Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais. En gros, si vous regardez la minimap, vous voyez que la flèche elle est vers le haut. Donc en gros, le point il est vers le haut. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Mais peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, hein. Parce que j'ai vu que dans la vidéo de la salle où justement il apprenait cette technique, bah il y en a, ils étaient choqués. Genre, ils savaient pas que c'était ça. Ok. Bon, là, ce qui est bien avec ce véhicule, c'est qu'il est quand même assez fin. Donc en vrai, les trucs fins comme ça, c'est assez tranquille. Faut juste pas faire n'importe quoi. Voilà, oui. C'est ça le problème. Le problème avec le véhicule de police, c'est qu'il saute. Donc faut y aller doucement. Vous voyez? Regardez comment il saute. Ok, je vais aller tout doux. Oh là 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 là, le travail, c'est bon. Doucement. Oh shit! Oh là 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 là, j'ai réussi à rattraper! What the fuck? Ok. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour rattraper, mais honnêtement. Alors là, je pense qu'il va sauter. J'espère que ça va pas me faire rebondir. En atterrissant. Ah! Ah bah. Ok, je pense qu'il faut un peu plus d'élan. Bon, déjà, les ralentisseurs. Ok, je pense qu'il faut aller un peu vite. Ok. Faut pas que je perde le truc. Bon, déjà, il avait un point intermédiaire. Il aurait pu ne pas en mettre pour mettre un peu de difficulté. Mais c'est vrai que pour les débutants, c'est bien d'avoir un petit point intermédiaire ici. Et ah bah ouais, bah je crois qu'il aime un point intermédiaire justement parce que. Ouais, faut bien reculer. N'hésitez pas à prendre de l'élan, les gars. Même dans les parcours comme ça. Et là, je pense que je suis pas mal du tout. Je serais peut-être un petit peu à gauche, ouais. J'ai remarqué direct quand je suis sorti, mais c'est en fait le véhicule il rebondit tout seul. Ok, je pense que là, je suis bien. Vous voyez comment il rebondit le véhicule? Ah, ok. Alors je pense qu'il faut que je. Alors, attendez, je vais essayer de passer comme ça, mais je pense pas que ça va le faire. Alors, déjà, le véhicule est là à gauche, je peux respawn direct. Ok, je vais respawn comme ça. Alors regardez, parce que le véhicule, en fait. Voilà, il tourne tout seul. Vous voyez comment il tourne tout seul? Là, je peux même pas le rattraper, quoi. Je sais pas ce qu'il a de véhicule, mais il tourne solo. Là, je suis pas mal. Je suis pas trop mal. J'étais un petit peu quand même à gauche. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut le rattraper. Bon, là, par contre, faut que je prenne de l'élan. Parce que tout à l'heure, j'avais pas assez d'élan. Ok, c'est bon! C'est bon! C'est bon, ta natte. Je suis pas mal du tout, là, en vrai, le vrai. En vrai, le vrai. Voilà, regardez ce qu'il fait. Là, vraiment, il fait ça tout seul. Hein. Et c'est ça le problème du véhicule de police. Bah, c'est que malheureusement, c'est un véhicule qu'on n'a jamais aimé. Et surtout dans les méga rampes et tout. Ok, alors par contre. Je crois qu'il y a un pont derrière. Ok. Et je peux me permettre de faire ça, les gars, en vrai. Par contre, faut pas que je tombe ici. Ok, je vais respawn pour avoir un plus beau véhicule parce que là, il est dégomme abusé. Ok. Donc, tout à l'heure, on est passé à droite, on va passer à gauche. Voilà, en vrai, n'ayez pas peur. Hein. Vraiment, n'ayez pas peur de tourner comme ça. N'attendez pas que le point d'interrogation vienne à vous.
allez à lui directement. Parce que si vous n'allez pas à lui, bah vous allez tomber. Ok, et eh bien je crois que c'est fini. D'accord, bah j'ai mis à peu près 10 minutes, j'aurais pu vraiment beaucoup. Bah j'aurais vraiment mis moins de temps que ça. C'est un peu easy. Je pense que tu peux finir en 8 minutes, je dirais. Ouais, je pense que tu peux finir en 8 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et rendez-vous ce soir à 21h pour le live.